Découvrons les dinosaures. Il y a fort longtemps, bien avant que les humains n'arrivent sur Terre, le monde était rempli de reptiles appelés dinosaures. Il y avait des dinosaures qui vivaient sur Terre, dans la mer, dans le sol et même dans le ciel. Il y en avait qui étaient plus hauts que des bâtiments et d'autres plus petits que des canards. Les dinosaures étaient de toutes formes et tailles, tout comme les humains. Le tyrannosaure Rex est le plus connu des dinosaures. Il se déplaçait sur deux pattes et était carnivore, c'est-à-dire qu'il mangeait les autres animaux. Le tricératops est aussi un dinosaure connu. Son crâne était plus gros que tous les autres, et il pesait aussi lourd qu'un camion. Par contre, il était herbivore, et c'est-à-dire qu'il ne mangeait que des plantes. Le stégosaure était un autre dinosaure herbivore. Il avait une toute petite tête, et son dos était recouvert de plaques. Pour se défendre face aux prédateurs qui voulaient l'attaquer, le stégosaure possédait une queue pleine d'épines. Le vélociraptor n'était pas très haut, mais était très long. Il fait quand même partie des petits dinosaures. Il avait la particularité d'avoir des plumes, mais n'avait pas d'ailes. Le diplodocus faisait partie des plus grands dinosaures. Comme le tricératops et le stégosaure, il était herbivore. Son cou était très long, mais sa tête était toute petite. Le ptérodactyle était un dinosaure volant avec un long bec. C'était un carnivore. Il aimait beaucoup chasser des poissons. Il ressemblait aux oiseaux que l'on peut voir aujourd'hui, mais il n'avait pas de plumes. Alors, où sont tous les dinosaures maintenant? Les dinosaures ont disparu il y a des millions d'années. Aucun humain n'en a jamais vu. Tout ce qu'il en reste, ce sont des os qui sont souvent enfouis profondément sous la terre. Les scientifiques recherchent toujours des fossiles pour en savoir plus sur ces créatures étonnantes. Les dinosaures ont existé pendant 175 millions d'années. Un jour, la Terre a été frappée par une météorite qui a tué lentement les dinosaures. Lorsque le premier os de dinosaure a été découvert, les scientifiques pensaient qu'il provenait d'un homme géant. Ensuite, ils ont commencé à se rendre compte qu'il s'agissait d'une espèce différente qui n'existait plus. Ils les ont appelés dinosaures, ce qui signifie lézard terrible. On retrouve des os de dinosaures surtout en Chine, en Amérique du Sud et en Amérique du Nord. Tu veux voir un dinosaure? Alors regarde autour de toi. Beaucoup de scientifiques pensent que les oiseaux sont des descendants des dinosaures. Et voilà! Tu viens d'écouter l'histoire des dinosaures. J'espère qu'elle t'a plu. Il y en a d'autres à découvrir sur legrimoireauxhistoires.fr. À très vite pour de nouvelles histoires.